Bonjour Manon, j'ai l'occasion de te rencontrer donc à l'occasion de l'Hexagone MMA 6. Tu es en convalescence, entre guillemets, on va dire, enfin tu es sur le chemin du retour, tu as été blessé il y a récemment. Est-ce que tu peux me revenir un peu avec nous sur ton opération, sur ce qui s'est passé? Salut déjà. Donc oui, j'ai été opérée il y a 2 mois d'une opération au genou des ligaments croisés. Donc l'opération s'est très bien passée. Là, je suis à 2 mois post-opération et tout se passe bien. Je suis en avance sur l'arrêt attelé. Et voilà, j'ai recommencé le vélo, la natation et tout se passe très bien. Alors, tu prévois un retour pour quand, au mieux? Idéalement, moi j'aimerais un combat en août. On sait qu'il y a sûrement un UFC en France à cette date-là. Et normalement, je devrais être prêt pour cette date-là, donc ouais, août, ça serait parfait. Alors, c'est vrai qu'au final, de toute ta carrière, tu n'as jamais boxé en MMA en France, en fait, encore. Ouais, non, pas encore. J'ai déjà loupé donc le premier UFC Paris pour déjà la blessure au genou. Donc ouais, j'aimerais bien faire mon combat de retour en France. Du coup, il y a une grosse annonce qui te concerne assez directement, c'est l'annonce du combat de championnat entre Shevchenko et Grasso. Qu'est-ce que tu penses de ça? Après, je m'en doutais. Le combat pour la ceinture, c'est moi qui aurais dû le faire puisque j'étais classée numéro 1 et Valentina m'avait demandé. Après, je suis blessée, donc forcément, après moi, il y avait Grasso. Donc je savais que c'est elle qui allait avoir cette chance-là. Après, je l'ai appris il y a 2 jours. C'est sûr que ça m'a fait quand même quelque chose, même si je le savais, que j'étais blessée, que j'aurais pas pu le faire. Mais c'est vrai que j'ai mal dormi il y a 2 jours quand j'ai eu l'annonce du combat. Pourquoi t'as mal dormi Parce que je savais que voilà, si j'étais pas blessée, c'était moi, hein, c'était sûr. On n'aurait pas refusé un combat pour le titre. On aurait bien sûr qu'on aurait accepté ce combat. Donc voilà, après, c'est que partie remise. Là, je veux un combat de retour du coup après ma blessure. Et je pense que Valentina va, je pense, garder sa ceinture et ça sera moi là, pour le prochain. Du coup, ouais, c'est quoi ton prono un peu pour ce combat, Shevchenko-Grasso? Quelles sont leurs points forts aux combattants, tu penses? Grasso, elle boxe super bien. Après, je pense qu'il y va avoir un petit différent du niveau du gabarit. Grasso, elle est quand même beaucoup plus légère. C'était une ancienne 52. Donc, je pense que ça va beaucoup jouer. Et la lutte de Valentina est quand même au-dessus. Donc, je pense que Valentina va l'emmener au sol. Et qu'il va y avoir une grosse différence physique. Je pense que c'est le physique de Valentina qui va jouer, surtout en synchrone. Je ne pense pas que Grasso, elle est très bonne techniquement en boxe anglaise. Elle a un bon grappling. Mais je vois Valentina au-dessus et gagner largement ce combat. Et si tu avais un prono, ce serait comment qui gagnerait? À quelle ronde? Je Enfin. dirais ronde de 4, 4 ou 5 grandes pommes de TKO. TKO? Ouais. Et du coup, toi, pour ton retour, t'aimerais affronter qui? Alors idéalement, on sait qu'il y a Rose Namajunas qui veut monter de catégorie. Donc pour un main event à Paris, je pense que ça serait un très bon combat. Voilà, contre Rose, en synchrone, pour me préparer pour le combat pour la ceinture. Pourquoi Rose précisément? C'est une combattante que j'aime beaucoup, j'aime bien son style. Elle a déjà été championne, elle est connue de tout le monde. Elle fait des beaux combats, elle a un très beau style. Et voilà, pour un main event féminin, je pense que c'est Rose qu'il faut. Alors, tu peux revenir un peu avec nous sur ton année 2022 qui s'est très bien passée? Oui, j'ai fait 2 combats. Ouais, 2 combats, 2 victoires. Je rentrais dans le top 10. J'ai pris la Maya qui était classée 4 et derrière Chocadian, donc numéro 1. Après, je suis contente de mes combats, je les ai gagnés, mais voilà, j'aurais voulu faire mieux et finir ces combats, mais c'était il y a toujours eu pour Maya, on m'a changé d'adversaire 3 semaines avant. Je devais affronter à la base une top 10, je crois, enfin 12. Et au dernier moment, on a su que c'était Maya top 4. On a eu Maya avec 2 semaines de préparation. Donc après, d'avoir gagné ce combat, c'est déjà très bien pour moi. Et Choukadian, il y a eu la blessure au premier round du genou. Donc pareil, j'ai quand même réussi à gagner ce combat, mais j'ai pas combattu comme j'aurais voulu. Mais c'est 2 victoires quand Et même. parce que c'est marrant en fait, t'es vraiment focalisé, toi ton objectif c'est de finir avant la limite, c'est quoi ce truc avec... C'est juste que je me sens capable à chaque fois. Et en fait, sur mes combats, et voilà, il y a toujours un petit pépin avant qui fait que ça se passe pas comme je veux. Et du coup, je sais que je fais mes 2 derniers combats, j'ai pas donné à 100%, donc je suis toujours un peu déçue. Comment ça se passe au niveau de ta notoriété, enfin même de ta vie maintenant, parce que c'est vrai que... T'as pris beaucoup en notoriété, hein, que ce soit en France ou dans le monde. Comment tu vis ça?
Bah écoute, je le vis bien, je m'étais préparée en fait, puisque dès le début, je savais que voilà, moi l'objectif c'était de combattre pour la ceinture et j'avais vu ce qu'il y a avec, j'avais vu Cyril Gane d'ailleurs en exemple, donc je m'étais préparée, donc ça ne me gêne pas, ça Et les interviews qui se passent en anglais, va. comment tu le vis ça? J'ai encore un peu de mal, après maintenant je comprends très bien en fait, Aldric il a plus besoin de me traduire vraiment les questions, mais j'ose pas encore répondre en anglais, mais je pense que ça va venir. Du coup, 2023, qu'est-ce que tu souhaites pour 2023? Bah, j'aimerais mon combat de retour en France et après bah, combattre pour la ceinture. L'objectif, c'est toujours de combattre deux fois ou Ouais, ça deux va fois là changer? pour cette année, ouais, ça serait bien. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du MMA en France? On a pas mal d'organisations qui proposent des bons shows avec des bons combats. Ouais, c'est ça. Bah, là, on voit déjà bah, cette semaine, il y a deux gros shows de MMA. Il y a de plus en plus de belles organisations qui se créent et franchement c'est une chance pour les combattants, les nouveaux combattants, je vois les mecs de mon club là qui débutent, de pouvoir combattre en France, c'est vraiment une chance. Nous on n'a pas eu la chance de ça, moi c'était compliqué en plus, surtout au début même de trouver des combats, d'aller combattre à l'étranger, souvent on se faisait voler si on gagnait, s'il fallait soit finir le combat, soit c'était mort. Donc non c'est super, franchement c'est très bien pour le MMA et surtout qu'il y a de très bonnes organisations. Et pour les combattantes féminines aussi, c'est beaucoup plus facile de trouver des combats et le niveau, il est en train de monter de plus en plus. Du coup, à la salle, on te prend beaucoup plus au sérieux maintenant depuis un certain temps. Ouais, après on m'a toujours pris au sérieux depuis le début, mais oui, bon, après c'est toujours pareil, hein, je les connais de. Enfin, on s'est toujours entraînés ensemble, donc en fait, il n'y a rien qui change, c'est toujours pareil. Ok, il y a une deuxième annonce aussi qui était importante cette semaine, c'est le combat entre John Jones et Cyril Gane. Tu penses quoi de ça? Bah franchement, c'est énorme. Je suis super contente pour Cyril. Un Français qui va combattre contre Jon Jones, c'est vraiment c'est énorme. J'étais déçue aussi parce que du coup, bah, j'aurais sûrement été sur la carte avec lui, vu que Valentina, c'est le même soir. Mais non, je suis super contente pour Cyril. Ça va faire beaucoup de bien au MMA français. Après, bah, c'est Jon Jones, donc forcément, ça va être un gros, gros combat, mais j'espère qu'il va le faire. Alors on sait que par exemple Cédric Doumbé, à chaque fois il disait oui c'est moi qui vais être le premier champion de l'UFC et tout ça avant Cyril Gane ou quoi que ce soit. Mais est-ce que toi t'es numéro une hein, dans le classement? Donc en fait c'est soit toi soit Cyril quoi on va dire qui pourrait avoir Ah le. oui, c'est sûr. Après, ouais, je laisse parler Cédric Doumbé. Après, moi, personnellement, je m'en fous. Après, je pense qu'il fait pas très attention au MMA féminin. Donc, oui, non, mais quoi qu'il arrive, c'est Cyril. Et après, ça sera moi, c'est sûr. Et le fait que ce soit Cyril, enfin que potentiellement Cyril puisse avoir la ceinture et être premier français, ça te titille un peu? Ouais, j'aurais préféré que ce soit moi, mais non, je suis contente. Voilà, après, bah, après, il va prendre Jon Jones. C'est pas encore gagné. Mais non, bon, ça me fait plaisir pour lui, pour le MMA en France. Tu as déjà songé à passer à une division supérieure ou inférieure peut-être? Alors, inférieur, impossible, parce que c'est déjà une galère pour faire 57 kilos, je ne peux pas descendre d'un kilo de plus. Mais supérieur, oui, franchement, c'est largement envisageable. On y a déjà pensé. Si je prends la ceinture en 57, ouais, c'est possible que je monte après en 61.